eu plein de propositions, on a eu plus de 80 recettes. Il y a 10 finalistes qui sont là, qui viennent des quatre coins de la France. On a des produits qui vont dans tous les sens, on sent du stress, on sent de l'effervescence. C'est quand même complexe, hein, là il y a de la recherche quand même. Hein. C'est important ça, en fait ils ont choisi des pains qui sont cuits à 85-90%. Voilà, c'est ça. Et après le fait de les retoaster, on va voir ce côté croustillant. En fait, il y a 5 critères. Il y a l'aspect visuel, il y a la facilité d'utilisation, c'est-à-dire comment on va réussir à mettre en pratique ce sandwich dans une boutique Brioche Dorée. Après, il y a le côté hyper gustatif, qui est très important, c'est un gros coefficient. Et puis après, on a aussi ce côté coup de revient, d'accord ? Parce que, bien évidemment, on fait attention à cette production. On est sur une brioche dorée qui essaye d'avoir un prix attractif auprès de ses consommateurs. Je réalise pas vraiment, je suis sous le coup de la surprise. Je suis extrêmement contente, je pense que je réaliserai demain parce que c'est merveilleux. Thank you.